Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Céleste les deux dans le 3D World en compagnie de Silvergun. Salut. Bon, on va faire un niveau. Je crois qu'on a que 100 secondes dans ce niveau. Je sais pas. Par contre, je fais des vidéos d'environ max 10 minutes. Du coup, je peux en faire plus. Je te porte. Ah ouais, c'est 100 secondes. Bordel, pas plus. Moi je flippe un peu, tu vois. Pourquoi il avance pas en personnage? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Viens. Putain, tu as étranglé. Il va dans une direction, il change pas. D'accord, attends. C'est peut-être le nunchuk qui est bugué. C'est bon. Attends, il y a lui. Que je troll. Sérieux? Il m'a échappé. Personne n'échappe à Luigi. C'est clair. Oula, ah, voilà, faut pitch. J'ai peur. Ouais. Attends. Quelqu'un prend le nuage. Oh, t'as failli l'avoir. Luigi troll Mario. Non, Luigi gagne en ne faisant rien. Ça a toujours été ça. Aïe. T'inquiète, t'as pas perdu Luigi. Tu souffres donc. Comment il peut tomber comme ça et tomber ensuite normalement? Attends, je veux les pièces même si on va pas les prendre. Attends, je vais tirer. Ah mais il est court le niveau. Quoi? Il est court le niveau. Voilà. 400 points. Et c'est bien 400 points. C'est sympa. Le niveau qui n'a duré que 2 minutes. Des niveaux les plus courts que j'ai jamais fait. Sauf celui qui dure 30 secondes. Dans le monde... Bon, je spoil un peu mes fleurs. Screw you, Kamek. Oh non, il va nous troller. Bon, tu te débrouilles bien en combat. Ouais, ouais. Attends, moi, je prends Todd. Bonjour. Au revoir. D'accord, voilà. J'ai rien fait. Attends, toutes les pièces, toutes les pièces. Oh purée, je t'ai fait sauter de manière assez chelou. Le retour du combo de cheaté dans Mario Bros. 6 secondes, le gars il a fini en 6 secondes. Non, il lui manquait 6 secondes. Ouais. Non, non, non. T'as une sorte de chrono en gros. Oh, il a eu mal là. À sa place, j'aurais eu très mal en prenant un bâton sur la tête. Pour préciser, Silvergun est au nunchuk et à la manette, oui, au nunchuk. Et moi, j'ai le gamepad. Tuyau sur mer. Ils sont pas cassés la tête pour le long du niveau. Bon, c'est pas grave. Et moi, je suis Mario. Ouais. Et moi, Peach. Même si. Techniquement, c'est un peu la honte. Je prends ce perso parce qu'il saute loin. Quand je te sauve. Et je te troll aussi. Attends, je crois qu'il y a un passage en haut. Mets-toi en bulle. C'est. Merci. Oh, t'as gagné un champi. Champi. Je suis sûr qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Je troll le niveau. Ah si si, il y a des pièces. Oh, j'aurais vraiment aimé le... Qu'est-ce que c'est ce pouvoir qui ne sert à rien? De quoi? Bah, champi. Attends, tu veux du feu? Tu veux du feu? Là, c'est avec B hein, pour lancer les boules. Ouais, j'ai remarqué. De feu, je précise. Putain, il y a pas un passage? Je sens que je vais me faire troller. Oui, je me fais troller. C'est celui-là d'en bas. Ouais. Encore, ce qui est stylé, c'est que tu peux faire passer. Tu peux faire, entre guillemets, passer les boules de feu dans l'eau. Enfin, dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Attends, monte. Monte, il y a un truc caché. Faut pas aller dans le tuyau d'en haut. Voilà. J'ai l'impression, en fait, je connais une grande partie du jeu. Et je fais un let's play soi-disant découverte dessus.
c'est assez bizarre. Et il y a un Luigi caché ici. Un Luigi caché. Ouais, parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans quelques niveaux, dans certains niveaux, il y avait des petits Luigi cachés. Genre dans le monde, dans le premier niveau du monde 4, il y a à un certain endroit une petite silhouette pixelisée de Luigi. Il faut tous y trouver. Ça c'est vraiment un truc bonus. Ça change absolument rien. Oh, j'ai pris du feu. Oh, cette robe, trop magnifique. J'assassine des poissons. Avec du feu. Après Assassin's Creed. L'idée du jeu, c'est que tu peux jeter du feu dans l'eau. Sans. Et ça marche en plus. Et n'empêche, je félicite Assassin's Poisson. Il y a un truc caché, t'es sûr qu'il n'y a rien en haut? Oui, je crois que tu peux casser avec un. Ouais, un truc de canon. Ce serait bien que tu viennes à manger sous en bulle. Ah oui. Monte, s'il te plaît. Ah, attends. Voilà, ça fait sans pression. Ah, il y a le tampon aussi. Oui. Oula, j'ai eu une petite hallucination pendant laquelle j'ai vu un tampon blanc. Ah ouais, t'as vraiment halluciné alors. Oui, je suis l'halluciné. Ah, c'est lui. Ouais, c'est ça. Attends, il y avait un bloc invisible. Est-ce que tu sais qu'il y a une sorte de petit passage que je montrerai dans une vidéo bonus dans le deuxième niveau du monde 1 En gros, il y a un tuyau rouge qui mène directement au monde 2 et ça sert à rien parce qu'on n'a pas assez d'étoiles pour avancer. Je vais prendre la. Attends. Moi. Bon. Ah, je suis où? Bah, je sais pas trop. Attends. Ah, t'es là. C'est ici. Ah ouais. Donc, je passe pour une personne qui n'attend pas, mais c'est pas grave. Je pense qu'un truc, le déchargement va être extrêmement long. Mais c'est pas grave. Ah, y a un truc là. C'est quoi ça, j'avais? Un tuyau. Purée de temps. Si ça fait un passage secret. Ah oui, je connais. Ah, j'y suis déjà allé en plus. Alors, je dis que je l'ai jamais vu, mais j'y suis déjà allé. Oui, mais sauf qu'il faut voir la flèche. Ouais. Peut-être. C'est la suite en fait. Peut-être. Si j'avais un champ de vision. C'est la suite. Tu sais que tu peux péter les panneaux. Oh, ben. Tu sais, les panneaux de flèche là. Ah, ouais. Et ben, tu peux les péter. Quand t'as. Je crois que tu peux le faire ça qu'avec une boule de feu. Enfin, moi j'ai déjà essayé. Les panneaux me saoulaient. Attends. Voilà. Ah! Faut aller où maintenant? Ben, déjà, évite de m'assassiner. Oh, je peux te faire mal! Je peux te faire mal! Je savais pas que je pouvais te faire mal avec un boulet. Mais quel boulet? Je suis de mots pourris! Je suis de mots extrêmement pourris. On a des sauts! Je sens que je vais couper ça en montage. On en est à 8 minutes. Un tuyau. Un niveau.